Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. On est là pour notre production d'acier aujourd'hui. Alors... Lingot d'acier, 45. Ah oui. On va voir si je peux augmenter ça. 45. Alors, si j'arrive à avoir un... si je fais 60 fois 2,5. 150 divisé par 45. Ok. 45 fois 3. Merde. 135. Donc il me faudrait 135 au niveau de la prod. Non. Ah oui, mais si, j'ai le MK3, donc c'est pas un problème. J'arriverai à combien? Tac, ça c'est 120. 150, ok, je serai à 150, oui. Non mais je vais partir sur la base de 150, donc je vais faire 4 fonderies. Vous savez quoi? Ça par contre, ça en vrai il est en plein milieu. Je peux le mettre là, ce poteau là. Je vais mettre un poteau. Qui va aller là. Hop. Ah, j'aime pas au niveau du côté, voilà, on va le mettre là, ça, je préfère. J'avais dit combien? 3, 4, ok 4. Donc à partir sur 4 fonderies. Ah oui, alors. Déjà ça c'est le rez-de-chaussée. C'est vrai que j'ai oublié cette histoire aussi. Ouais, dit comme ça c'est le rez-de-chaussée, c'est un peu bizarre mais... Oula. Ouais. Pas terrible ça. C'est de faire quelque chose d'à peu près correct quand même, faudrait pas déconner quoi. Voilà. 8. Allez, on construit. Notre sous-sol. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour grimper. Oh! Là, ça s'arrête à peine trop tard. Ah, je crois que... Oui, non, ah non, non, c'est bon. Numéro de pub. Hein. Hop, on a beau en bloquer une grosse partie, on a toujours, toujours mieux qui continue. Ça en vrai. Voilà. Ouais, ça n'a pas lieu d'être. On verra plus tard hein, comment on aménagera et tout, etc. Ouais. Là. Pas terrible ça non plus. Hein. Non. Ce que je vais faire, c'est ça. Hey, j'aime pas. J'aime pas. Mais attendez. Voilà, comme ça. Plutôt que s'enquiquiner à faire des trucs dégueulasses là. Tatatatatac. Hop. Voilà. Alors on a notre minerai de fer qui est arrivé. C'est très bien. On va placer maintenant nos 4 convoyeurs. Ah.
Là c'est ballot. Voilà. On va placer ces deux là. Pas plus. Pas plus haut que le bord. Nos 4 convoyeurs, n'importe quoi. Nos 4 fonderies. Que je vais mettre, je pense, ici, là, en plein milieu, là, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Oh bah dis. On est ric-rac niveau marge. Hop, là, je me souviens. On peut mettre vraiment au bord. Pas un problème du tout, au contraire. L'alimentation. Je suis mieux là. On va dire. Hop. Hop. Voilà. Les courriers. Oh merde. Ah, je crois que je vais manquer de plaques de fer. Sauf si j'en ai foutu là. Je vais certainement manquer de quelques plaques de fer. Désolé. On va devoir faire un petit aller-retour. Bizarre ça d'ailleurs. J'étais persuadé d'en avoir. C'est pas bien grave. Hop, ça c'est notre sortie. Hey. Et là, il faut tout répartir. Il faut tout répartir. Ah oui, c'est du MK3. Je l'ai déjà ou pas la technologie MK3? Bah, j'alimente une partie d'un côté, l'autre partie de l'autre. J'alimente en fer là de ce côté-là et j'alimente en charbon de l'autre côté. Hein. Je suis pas mon kikiné, franchement, là, répartiteur. Là. Hop, regardez. Je fais comme ça tout le long. Hein. Franchement, pourquoi s'embêter? Alors, on va faire nos calculs. Faire dans l'autre sens. Oh. Voilà. Ça, tiens d'ailleurs, c'est combien les MK3? Ça, c'est une bonne question. 270. Oui. Donc on avait dit on était à 160, moins 45, 125, donc on reste sur du MK3. 125, moins 45, 80. 80, moins 45, 35. Donc ça, tout ça c'est du MK1, là on a même pas trop d'addition. Oula. Voilà. Et tout ça, ça suffira à alimenter en charbon. Ensuite, notre alimentation en fer. On va le faire pareil. Voilà. Attendez, le fer, je suis en train de me dire, il va falloir que je mette en MK3 tout le long là. Oh, le prix que ça va me coûter, toi. Oh, l'idée à la con. Bref. Répartiteur.
Impeccable. Deux. Trois. Donc même principe, MK3, MK3, MK2, MK1. Je vais chercher mon... Je vais chercher tout ça. Et en vrai, j'ai manqué de plaque de fer. Bah là, je vais récupérer de la plaque de fer en vrai. Parce que tout... Enfin, j'en manquais, mais là... Bah le fait de faire passer des MK1 au MK3, je vais récupérer les plaques de fer du MK1. Donc là, regardez, je suis à 72 plaques de fer. 96. À 144 plaques de fer, ouais, je vais pas en manquer. Hein. Ah, par contre, ça va être chiant encore. Ah, c'est sur les montées un peu là. Ok. Hop. J'espère avoir assez de poutre en acier là. Allez, on va dire, on va partir sur le principe que ça va le faire. Et si ça le fait pas, ben c'est pas tout. Alors ouais, là ceux qui sont en pure montée, par contre c'est pas le même délire. Oh putain. Hop, lui aussi. Lui il produira combien là? 30, 60, je vais le faire passer en MK2. C'est du MK2 ça? Quoi? Que j'ai foutu? Ah ok. Oh, il y a des trucs bizarres. Bon, je vais tout mettre en MK2, là ça va que c'est moins long. On n'arrive pas jusque là, dommage. Ok. Voyons. Est-ce que j'aurais pas plus vite fait de remonter par là? Ouais, si je crois. On va remonter par là, on va aller chercher les éclats de charge. Parce que là j'ai quand même mine de rien 9 éclats de charge à utiliser. C'est haut ça. Hein. Va falloir tomber. Hein. Dit-il avant de se casser la goule, c'est ça non? Possible. Alors pas trop quoi. Ouais, ça a l'air d'aller hein. Attends, c'est ouvert chez moi déjà. Ah mais... Ah voilà. Ah j'ai un peu oublié la direction là d'où je viens. De rien, je viens de loin. L'air d'avoir croisé trop d'ennemis, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, voilà.
Mais qu'est-ce que je fous là? Oh, merde. Si, 9 éclats de charge. 7. Ah oui, alors, c'est vrai que j'ai une violette. Une, deux. Donc on va remettre celle-là. Et c'est vrai que j'ai un éclat de charge violet aussi à analyser. C'est ça. Ah. Bon, heureusement j'en ai des cadres. Cadres modulaires. Dans la recherche. Congratulations. Research completed. Purple power slugs seem to be near the end of their life cycle and have a significant amount of potential energy stored. It is a good thing it does not waste. Purple power slugs can now be processed into power shards. C'est bizarre. Disons que j'ai... Là, je comprends pas en fait. J'ai pas la logique, on va dire. Donc, on va aller réalimenter tout ça. Si tant est que je retrouve, parce que là, ça va. Là, je venais de trouver le hub, c'est pas compliqué. Par contre, retrouver la prod, c'est un peu plus. Trouver lieu de production, c'est un peu plus compliqué, quoi. Allez, hop. On va prendre ça, on sait jamais. Tu vois là par exemple, je suis pas sûr d'être venu par là parce que j'ai pas le souvenir d'avoir croisé toutes ces fleurs machin. Être venu par là-bas, je pense. Ah bah. Qu'est-ce que c'est ça? Quartz brut. On verra un peu plus tard pour le quartz. Du pétrole, ça. Je pense que je devais venir de quelque part par là. Mon instinct me dit que c'est par là-bas. Donc, si mon instinct me dit... Après, j'ai pas forcément dit que ce serait facile d'y arriver. Oh, c'est moche. Oh, le petit saut là où j'ai pas réussi vraiment là. Bon, là ça devrait aller là. Ok. Voilà. Non. On va y arriver, on va y arriver. C'est. Voilà. Ici. Allez, allez. Ah, vous voyez ? Mon instinct, il me disait la bonne chose. J'ai oublié qu'il n'y avait pas un sacré trou là aussi. Hein. Purée. Je vais voir là si je peux faire une... Voilà. Petite montée là. Hop. Voilà. 9 éclats de charge. Et on booste. Ce qui nous fait 60... Comment j'ai calculé ça, moi? Ah oui, non, mais oui, non, parce que ça, c'est impur, ici. C'est impur. Ok. Et ici. Voilà, c'est de l'impur également. Oh, sur le MK3 ça va tellement vite. Et là j'en prends de la vitesse. Hein. C'est agréable. Ah. Ah non. Oh mais non. Bon, ce fut agréable pendant un court moment. Et là ça s'est arrêté de manière précoce. C'est pas de peau. C'était pas prévu ça. Hein. Et je crois qu'il y a un gravier qui m'a bloqué sur la route. Oh.
Oh là là, regardez cette vitesse. Jouo Beyblade. Wouhou. Ah. Donc ça c'est assez chiant. Ah, premier degré, Ah là, j'étais bloqué de chez bloqué. Hein. Bon, Je peux bouger s'il vous plaît. Je veux juste m'en aller là. Voilà. Impeccable. Donc j'ai ce qu'il faut en faire, j'ai ce qu'il faut en gnien. Je crois que le souci ça va être ça. C'est vrai que j'ai oublié de prendre en compte que j'avais du... du calcaire à extraire. Dans 150. Bon. Voyons voir la suite. Hein. D'ailleurs, j'ai combien maintenant? J'en ai récupéré pas mal. Hein. J'en ai récupéré près de 400 hein, des plaques de fer classiques. Alors. Tout ça. Ça se barre. Alors, dans l'autre sens. Voilà. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Donc, ça nous fait sortir. Pour l'instant rien du tout parce que j'ai pas configuré. Voilà. Pas d'alim. Ah oui. Oui, effectivement j'ai pas tiré le. J'ai pas tiré le machin là. Tac. Tac et tac. Donc 45 fois. On est à 180, ok, de lingots, de machin, il faut qu'on mette tout en tôle, ça fait 3, donc 3 convoyeurs, what? Bah alors? Pas d'alimentation, merde, j'ai oublié de le rebrancher, ah non mais là c'était moche, je l'ai dit, voilà. Ça tourne, ça veut dire que la production d'acier là-bas elle tourne encore. Hop, on va mettre nos constructeurs ici. Ah ouais, mais alors pas trop proche. Pas trop proche. Oh, je vais me débrouiller en dessous. Hein. Une. C'est pas dans le bon sens. Alors on peut encore une assembleuse. Un, deux, trois. Hop, tac, tac, tac. Tac, ok. Ça se débrouille en bas. C'est normal que ça soit pas rempli. Parce que là j'ai 4 sorties, il faut que j'en ai monte 3. 45. En fait on va devoir faire comme la dernière fois quoi. Là disons, est-ce que je vais y arriver? Facilement pas. Regroupeur. Eh ben non, en fait c'est regroupeur, une tour répartiteur. On va essayer quelque chose. Alors, toi là. Est-ce que déjà je t'ai bien placé? Pas du tout. Nous allons vers. Allô? Merci. Alors, donc le premier là. Lui, ça va pas le faire, mais. Oh, j'ai pas le droit là. Oh.
Ah mais oui. Oh, attends, terrible. Oh l'emplacement. Ah ouais non bah bon. Non bon là je vais avoir je vais vraiment avoir besoin de d'éloigner ma prod. D'ailleurs ce que je vais faire c'est. C'est ça. Voilà. Parce que là j'ai la répartition à faire qui va être un peu chiante. Vous avez l'habitude, on a eu le même, cas hein, dans notre production d'acier précédente. Hop là, allez. Constructeur que je vais mettre ici. Ok. Ah oui, alors. Voilà. Donc. Là. Là j'arrive avec un simple répartiteur. Je sais pas si je suis en face comme d'hab. Non. Bon. Ça, on finit par avoir l'habitude au bout d'un moment. Hein. C'est-à-dire bon bah je suis pas en face d'un. C'est pas bien grave. Attirer des convoyeurs. Et lui il vient de là. Voilà. Donc là je fais sortir mes premiers lingots. Le deuxième. Grouper. Ah, ça c'est chiant. Grouper. Allez, ici je le sens bien. Yes. Une partie qui vient de là. Parce que là on a 60. 60 moins 45, on arrive à 15. Voyons. On va faire original, on va changer un petit quelque chose. Ton convoyeur est trop incliné. Tu me saoules avec ton convoyeur trop incliné là. What the f... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, hein. Voilà, hein, des fois faut pas chercher à midi à 14h. Voilà. Voilà. Là j'ai un groupe. Bah non, c'est pas bon. En plus, je fais des bêtises. Là, 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 là. Donc j'ai un groupeur. Voilà. Et là j'ai mon répartiteur à côté. Et c'est ça. Tac. Voilà. Là j'ai 45 plus 15, 60, donc là j'ai 60 tout pile qui va là, c'est bien. Là ça a pas l'air de monter. Tu me diras, je suis peut-être pas alimenté. Je vais y alimenter quand même mes constructeurs. Histoire que je sache si ça fonctionne bien. Hein. Voilà. Et je vais leur dire quoi construire aussi. 2. 3.
lui il fonctionne, lui il fonctionne. C'est très bien, c'est très bien. Et là, bah, j'ai plus qu'à envoyer les deux. Bon, en fait, tout le reste, il va là. Hein. Là, j'ai un énorme regroupeur. Ah, ça va être chiant. Parce que là, en vrai, j'en ai un qui vient comme ça. Donc, ça, c'est pas un problème. J'ai 60 x 2, 120. Moins 45 x 2, 90, ça me fait 30. Là j'en ai que 30 qui va là. Ah bah non, c'est même pas chiant. Regarde. Attends. Je vais faire la même connerie que la dernière fois si je continue. Parce que là, les deux ils sont bien alimentés. Ah non, les deux sont bien alimentés. 45, 40. Ah non. J'ai 60. Et non, j'ai 60, je dis n'importe quoi. Là, j'ai mis quoi là? J'ai mis un groupeur, là, j'ai mis un répartiteur. C'est l'inverse. J'ai fait tout l'inverse là. Groupeur, répartiteur. Donc là, j'ai mon groupeur en fait devant le truc. On va y arriver. On va y arriver. Non, parce que tout est pris en fait, hein. Là clairement tout est pris. Hein. J'ai mon groupeur qui va là. Parce que là c'est 45 en fait qui vient de là. De où? De là. Là j'ai mes 45 qui viennent totalement de là en fait. Le deuxième. Il répartit, c'est ça. Entre là. Et là, donc le deuxième est parti entre là et là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc toi là, tu vas là. C'est bon. Donc lui il va répartir, lui il sera plein. Lui il sera pas plein, lui il en a une trentaine qui rentre. Et là il me faut un répartiteur, un troisième. J'ai aucune idée de si je peux faire venir de là en vrai. Là ça va être chaud. Ouais non ça va être très chaud là. Au niveau place, un peu ricrac quoi. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Là j'ai un répartiteur. Ça veut dire qu'il vient de là. Hop. Ouais, il me faut juste là. Je sais pas si je passe en plein dedans ou pas. Ouais, c'est pas terrible. Voilà. J'ai mis quoi là? Un répartiteur. Ok, très bien, qui va pouvoir remplir celui-là. Qui groupe là-dedans. Et un groupeur. C'est pas bon. Ça attaque. En fait, lui, ça sera beaucoup plus simple pour moi de le faire arriver là. J'ai pas géré par contre. Voilà. Et lui. Lui, le but en fait, c'est qu'il arrive là-bas. Bon. Voyons voir. Tac, 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 tac. Tac et tac, voilà. Et normalement, je pense qu'on devrait tout avoir. On va lui laisser le temps tranquillement de charger. Bah, dans tous les cas, de toute façon, j'ai l'assembleuse à faire. Alors, l'assembleuse, il prend du calcaire ou il prend du béton? La logique voudrait qu'ils prennent du béton, parce que c'est du béton armé. Assembleuse, j'ai combien en sortie d'ailleurs? Tiens, on va regarder tout ça. J'ai 45 poutres en acier en sortie, et
18, 36. Oh, c'est pas terrible. 36, ça me fait 54. Faire 3 assembleuses. Et il me faut... fois 3... 128. 128 béton, la vache. C'est beaucoup là. Non, c'est pas ça que je veux. Sont un tube béton. Ah ouais. Ah ouais, c'est. C'est 9. C'est 9 constructeurs. Hein. Et 45 x 9. 405. Oh putain. Il me faut 405 cac. Ah. Ah ça va. Ah oui, c'est. Oula. Bon, très bien. Deux, trois. Tiens, on va faire quelque chose. On va faire ça. On va essayer de faire ça bien. On va changer un peu. 4, 5, 6. On va tout faire en longueur la construction de béton. Tiens, ça va changer. Je sais pas si c'est faisable, non, mais bon, on va essayer. 7, 8, 9. Ok. Non, parce que c'est 405 là, 405, ça fait beaucoup quand même. 60, je veux bien produire 150, mais c'est loin que 405. Il faudra un calcaire pur, pareil, deux calcaires normaux quoi dans le coin. Ah, y a pas l'air d'en avoir des masses. Ah, j'ai un calcaire pur là-bas. Calcaire pur, c'est 120 fois 2,5. Non. 120 fois 2,5. 300. 300 plus 150, 450, on sera bon. Bon. C'est très con ça par contre. Ah, ça me trempe. Voilà. Et 309. Ouais mais non mais 300. Je suis en train de me dire ça c'est 400, c'est 270. Hein. Donc j'ai même pas la puissance des convoyeurs nécessaires quoi. Pas terrible. Bon, on va commencer à faire les premiers déjà. Donc 150. Ça me bouffe 45 en entrée. Je crois. Au niveau du calcaire. La quantité de calcaire, en vrai que ça va bouffer ça. Oh là là, attends, j'ai pas fait d'effort de calcul. C'est énorme. 36. Si, j'ai fait une connerie en calcul. Ah bah non. C'est du béton en fait. C'est du béton et c'est la transformation du béton. 36. Ça là. Ça me produit 15. Bon, j'ai quand même fait une connerie, je pense. Attendez, j'ai quand même fait une connerie, je crois. Parce qu'il m'en faut. Ok. 36 fois 3. On est à 108. Il me faut 108 béton. 108 divisé par 15. 7,5. Et il m'en faut 8. Ah ouais.
Ah non, c'est ça. Il me faut 8. Ouais, donc. Bon. Punaise. Pour parler poliment, punaise. On va faire deux entrées dans un premier temps. On se débrouillera pour les sorties. J'en ai un peu de bois. Non. On va faire une deuxième rampe. Non, mais je sens que je vais beaucoup tomber là. On va faire un agrandissement. Ce sera mieux qu'une rampe. Éviter la chute, c'est mieux que remonter. Que d'avoir à remonter. Et là, regardez, je peux même faire une rampe là. Voilà. Donc là, il me faut un... Il me faut un double répartiteur. Oh, c'est chiant. Je vais essayer de faire un truc un peu stylé. Alors c'est pas petit du tout. Hein. Je vous préviens. C'est clairement pas petit du tout. Hop, répartiteur. Répartiteur. Ah oui, oh, c'est même de la merde. Hein. Effectivement, ça prend plus de place forcément. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah mais non, mais c'est moi qui ai fait totalement n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais. Oh ouais, des joueurs comme ça. Ok. Répartiteur. Ouais, 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 c'est mieux comme ça. Hein. Un répartiteur. Deux répartiteurs. Un répartiteur. Deux répartiteurs. Deux répartiteurs là. Tac. 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 Ok. À partir de là, en fait, là, je vais avoir des départs. Deux répartiteurs. Et là, j'ai une alim. Je vais te mettre du MK3, bon, tu me diras, j'en ai un peu en rab, c'est pas un problème. Ah, ouais. J'ai pas mis un MK3, là. Ah bah oui, là. C'est clairement pas un MK3, tout ça. Hop, voilà. On est bien. Là. Ça pouvait se passer dans l'autre sens, ce serait bien, mais là, je pense que... Là. Voilà. Tout ça, ça arrive là, et c'est redispatché. On va faire l'alimentation électrique. Oups. J'ai oublié ce détail aussi.
On va le faire en longueur là. Et voilà. D'ailleurs qu'il se lance pas lui, pourquoi il se lance pas là? J'ai pas de lec. Bah. Ah si non, en plus. Pas d'alimentation électrique qui me dit. Ah non. Ah bah si. J'ai donc tellement oublié de les relier. J'étais en mode bah, c'est bizarre quand même, j'ai du courant dans les poteaux. Ouais, dans les poteaux, ouais. Tous les premiers rangs tournent. Ok, c'est normal. Bon, ce que je vais faire, c'est tirer là. Enfin, tirer entre guillemets. Faire une ligne là pour aller chercher l'autre partie du calcaire. Que je vais, je pense, ramener de par là. Il doit pas être très très loin. Et on se retrouvera au prochain épisode pour cette ligne. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cet épisode et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Tiob. Ciao!